Vocabulaire maternel vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une nouvelle activité que vous pourrez faire avec les cartes de vocabulaire. Alors ce nouveau jeu se complique un peu puisque cette fois les enfants n'auront plus pour seule tâche de nommer les cartes. On rentre maintenant dans la construction syntaxique. Comme les jeux présentés dans la vidéo 4, il s'agit pour l'enfant de faire deviner une carte, mais cette fois, il va devoir la décrire sans la nommer. Pour cette démonstration, j'utilise les objets de la maison. Vous placez les cartes au centre et l'enfant va devoir décrire la carte sans la nommer. Par exemple, il va pouvoir dire « c'est un objet qui permet de faire chauffer de l'eau, qui sert à faire chauffer de l'eau ». L'enfant qui a réussi à nommer la bouilloire peut garder l'image et l'enfant qui l'a décrite correctement gagne un pion. L'enfant suivant peut dire par exemple « c'est un objet qui permet de battre les œufs ». Le copain va nommer le fouet et il retourne la carte et il peut évidemment la garder. Et l'autre enfant gagne un pion. Et le jeu continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au centre de la table. Maintenant, on peut refaire le même jeu avec les cartes des fruits, par exemple. Et cette fois-ci, nous allons travailler le vocabulaire tel que la peau, les noyaux, les pépins, ou bien cuit, cru. On place à nouveau les cartes au centre. Donc par exemple, l'enfant va pouvoir dire « c'est un fruit que l'on peut manger cuit ou cru et qui a un noyau à l'intérieur ». Un camarade va nommer l'abricot. Et on retourne la carte et l'enfant qui a deviné peut la garder. Et on continue en utilisant tout le vocabulaire qui tourne autour des fruits. Pour obliger les élèves à donner de plus en plus de détails, n'hésitez pas à proposer des cartes avec des objets qui ont des points communs. Par exemple, les seuls critères des pépins ou de la couleur n'auraient pas suffi pour, par exemple, la pomme et la poire, puisque les deux ont des pépins et les deux sont jaunes. J'ai remarqué que les enfants sont très malins et qu'ils ont tendance à changer de carte au dernier moment en fonction de la carte désignée par le copain pour gagner un point. Pour éviter cela, je leur propose de mettre un petit papier sous la carte qu'ils doivent faire deviner. Les autres ferment les yeux, évidemment, avant que l'enfant cache son petit papier. Vous pouvez également imprimer les cartes que vous allez utiliser et l'enfant tire au sort une carte, ce sera celle qu'il devra faire deviner. Et à la fin, il devra montrer sa carte pour vérifier que c'est bien la même. Voilà, j'espère que ce nouveau jeu plaira à vos élèves et qu'il leur permettra de développer leur structure langagière. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle.